Yo l'équipe, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on teste la natation synchronisée. C'est parti! Pour commencer, j'aimerais que tu puisses te présenter en quelques mots. Dis-nous qui tu es face à la caméra. Ok, je m'appelle Barbara, je suis la directrice technique du club de la natation artistique de Tours et je suis au club depuis bientôt 7 ans. Donc je manage le club avec bien sûr l'accord de mon bureau et de mon comité directeur. D'accord, un petit palmarès en natation synchronisée. Donc je suis une ancienne nageuse des équipes de France, j'ai été jusqu'au championnat du monde où j'ai terminé 8e à Montréal en 2005, donc ça remonte quand même. Ouais, mais quand même, championnat du monde. Ouais. Ok, top. Des chorégraphies et tout ? On va le faire. On y est. Donc là, on commence toujours les choses comme ça. Voilà. Avec beaucoup d'amener, très cardio. Ok. Et on attache, je pense, pour couper les moments. Allez, les filles, c'est en scène ! Alors là, on va faire moitié ballet leg ukrainien, d'accord, et moitié en faisant 10 torpilles groupées balloon. Ah non, vous n'allez pas faire ça, on va montrer prise de carpé verticale. Montrez une prise de carpé s'il vous plaît pour pouvoir. Voilà. Elle passe sa main à la chocolat et elle est méchante. Ouais, tu vois comme c'est beau? Pouce bleu. Ouais, pouce bleu, ouais. Abonnez-vous. Ça donne quoi? Ouais. Pas mal. Au poison. Allez, va. Regarde le ciel. Allez, encore, vas-y. Voilà. Voilà. C'est bien. Serre les pieds, Quentin. Une note sur 10? Je ne pense pas. C'est bon. C'est génial. Voilà, une zone à feu, c'est bien. Remonte les genoux et ouvre les hanches. On va le bouger. On va le bouger. En poussant l'eau, tu vas sortir. Prends 6 de brasse.
pouvoir se mettre en grand écart. Et après, tu fais les trois écarts, tête en bas. Ouais. On va tout pareil, hein, tu vas voir, regarde. Allez, à toi, Quentin. Allez, tête sous l'eau. Oui, si, si, c'est pas mal. Si, si, c'est pas mal. Après, il faut que tu regardes en face de toi. Faut que tu mettes la tête en arrière. Derrière toi, derrière toi. J'ai fait ça. C'est dur. Il va pouvoir faire carrière là. Je sais pas. Actuellement, on peut vivre de la natation synchronisée en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur. Est-ce que c'est possible en 2022? Alors, en tant qu'athlète, ce n'est malheureusement pas possible. D'accord. Il y en a juste qui sont en équipe de France, donc qui sont au plus haut niveau national, qui ne touchent pas d'argent. Elles ne sont pas professionnelles, donc elles s'entraînent 7 heures dans la journée, en plus de leurs études, parce qu'en général, c'est des carrières qui sont assez tôt, comme un peu les gymnastes. Elles arrivent au meilleur niveau vers 23-24 ans. Donc elles rentrent dans leurs études secondaires, mais en général, elles gèrent de front les deux choses. Et en tant qu'entraîneur, on peut vivre de la natation artistique, ouais. On peut donc devenir entraîneur professionnel avec des diplômes d'État qui sont reconnus. Okay. BPJEPS aussi. BPJEPS, okay. Après il y a le moniteur sportif de natation option natation artistique. Il y a le diplôme d'État supérieur, donc diplôme d'État et diplôme d'État supérieur quand on veut faire de la direction de club. Ok, d'accord. Voilà, ça tu fais ça. Hein. À toi, Man. Ouais, c'est important. Si on leur demande d'aller vers le haut, mais comme tu l'as jamais fait au-dessus des filles, si tu retombes sur elles, c'est hyper dangereux. Donc essaye d'aller un peu plus vers l'arrière. Tu restes juste droit et tu lèves les bras. J'avais fait ça pour le rugby. C'est un échec. Quelles sont pour toi les valeurs de la natation synchronisée? Si je pouvais en citer, allez, trois, on va dire. L'esprit d'équipe. Ouais. Parce que c'est une pratique qui est avant tout en équipe. La rigueur, c'est un sport qui est extrêmement rigoureux. Et le dépassement de soi. D'accord. Okay. C'est très complet et ça pousse tout le temps dans les limites du corps, ouais, et bah de ouais. La tête du coup. Bien sûr. Ok. On va le voir sur les images tout à l'heure, mais nous on s'est entraîné en équipe. Est-ce qu'il existe aussi des disciplines solo, des disciplines duo? Donc il y a l'équipe qui est nagée entre 8 à 10 nageurs. Mm-hmm. Les garçons peuvent nager dans les championnats du monde, dans les championnats d'Europe. Okay. Il y a le duo, nagé par deux athlètes du même sexe. Ça peut être deux garçons ou deux filles. Okay. Il y a le duo mix, okay. Un garçon, une fille. Et il y a les solos, qui peuvent être nagés par un garçon ou par une fille. Ok, ouais. Et on définit les règles comment? C'est des notes? Voilà, exactement. Il y a... Donc c'est un jugement humain. J'ai fait ça. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais maintenant on a nos ordinateurs, nos tablettes. Ouais. C'est 15 juges qui sont autour du bassin. Il y a 5 juges qui notent l'exécution du ballet, comment est réalisée la proposition, la chorégraphie. Il y en a qui notent le contenu, donc la difficulté. Est-ce que c'est difficile, pas difficile? Et il y a 5 autres juges qui notent l'impression artistique, donc la chorégraphie. On est quand même à un sport artistique où on doit faire passer quelque chose, une émotion, ouais, au spectateur et au juge. Je vous répète aussi, on plonge, brasse à droite, je reviens, brasse à gauche, je m'allonge sur le ventre, je tourne sur le dos, je tire les bras, on va faire balai droit, je pose, balai gauche, je pose, galipette arrière. Poussez le rétro, d'accord, on a fait tout à l'heure. Un bras en rétro, soleil, et une verticale pour tout. Ouais, 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 ouais. Ok. Come on.
venir faire de la natation synchronisée, que ce soit homme ou femme, parce que vous avez vu, je suis un homme et je l'ai fait. Un petit mot, vas-y, motive-nous. Eh bien, c'est un sport qui est très très complet, qui allie différents aspects comme prix collectif, voilà, le dépassement de soi. On fait de la natation, on fait de la gymnastique, on fait des acrobaties. On a aussi un côté artistique pour exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Voilà, donc on accueille à Tours tous les publics. On a des petits de 3 ans jusqu'au groupe adulte où on a des mamans ou même des mamies qui viennent pour nager, pour s'entraîner et proposer un ballet pour le gala de fin d'année. Donc venez faire la natation synchronisée. Ouais, on vous attend avec plaisir. On mettra les liens dans la description. Petit garçon et petite fille ou grande fille et grand garçon. Oui, on peut. Tout le monde. Voilà, c'est en train petit à petit de devenir un peu plus mixte. Ouais, c'est ça. Et puis moi, petit message que je peux faire passer parce que vu que j'ai testé, c'est pareil, vous avez énormément de phases d'apnée. Donc si vous adorez l'apnée, vous voulez travailler votre respiration, vous l'avez. Ouais. Même moi qui suis coach sportif, j'ai quand même senti mes bras quand je poussais dans l'eau. Donc on a quand même un gros renfort pour le dos. Mmh. Et on a aussi tout ce travail des hommes qui adorent aussi faire des chorégraphies et pouvoir exprimer aussi leur art. Parce que c'est un art quelque part. Ouais, et donc vous pouvez venir essayer, passer un peu les codes et juste venir tester, c'est déjà énorme. Ouais, tout à fait. Voilà, je pense que ça peut être déjà un pas. Ouais. Juste venir essayer. Ouais, complètement. Ok, et bah parfait. Merci beaucoup. J'ai fait tout pareil tout à l'heure. Mais on n'a pas vu la différence. Non, vraiment. Toi, tu cours les gars prochains, on va tout faire. Bah, comptez pas sur moi par contre. Pareil.